Je vous emmène aujourd'hui dans un village reculé au nord de la Côte d'Ivoire, dans les environs de Sidi Matiali. Allez, go! Mesdames et messieurs, bienvenue. Ici, on est à Mitegeka. Mitegeka. Mitegeka est un petit village de quelques habitants qui vit principalement de l'agriculture, du piment, coton, arachide et maïs. Ici, la tradition et la modernité vont de pair puisqu'on trouve encore des cases traditionnelles faites en terre cuite. L'éclairage public est arrivé, mais les habitants ne disposent pas encore de compteurs électriques. Bonjour, comment ça va? Parlez le français. Si j'ai remarqué une chose dans ce village, c'est que très peu de personnes parlent la langue officielle. Bref, Mitegeka est un charmant village où la Fondation Orange participe activement à améliorer les conditions de vie des populations en finançant des projets sociaux. En effet, la Fondation Orange a construit ici une école de 6 classes du CP1 au CM2 avec le logement du maître. Et cette école dispose aussi d'une salle informatique de 5 postes en attente d'électricité. En plus de l'école, la Fondation Orange a également investi dans un centre de santé qui est juste derrière moi et un point d'eau qu'on va voir tout à l'heure. La construction de ces biens sociaux a radicalement changé la vie des populations vu qu'on parle de l'éducation, de la santé et de l'accès à l'eau. Il faut savoir que Mitegeka n'est pas encore accordé au réseau d'eau potable. Ce qui signifie que l'utilisation d'eau souterraine à partir d'une pompe est une nécessité absolue. Le point d'eau a été installé stratégiquement près de l'école et de l'hôpital. Quand il n'y a pas plus, on demande Dieu de nous donner de plus, seulement sinon. Il n'y a pas une solution encore. Mais l'eau sert également à l'agriculture et au ménage pour la cuisine, la lessive, l'hygiène et elle est même utilisée à la consommation. Plutôt que de tirer un seau à partir d'une corde, il suffit d'actionner le levier selon le volume d'eau dont vous avez besoin. En conclusion, vous l'aurez compris, l'eau, c'est la vie. Il existe encore plusieurs villages en Côte d'Ivoire qui ont des difficultés d'accès à l'eau. Et la Fondation Orange, chaque année, contribue à améliorer cela. Rendez-vous très vite dans un autre village de Côte d'Ivoire.